J'espère que ça va bien. Alors, je suis en train de nous préparer à déjeuner. Je vous ai comme setupé sur le comptoir et tout. Ouais, ça, je suis en train de nous préparer à déjeuner. Fait qu'on savait vraiment pas ce qu'on avait envie de manger ce matin. Et puis, il m'est venu à l'idée de faire une casserole déjeuner. On faisait ça quand on était pas encore en appartement. On faisait tout le temps ça chez la mère en tout. Et c'est vraiment très bon. Fait que je me suis dit que c'était un bon plan. Puis on a plein de légumes. Fait que c'est une bonne occasion de passer tout ça. Ça va faire un bon petit déjeuner santé, fait que je suis en train de couper des patates douces. Sinon, j'ai également comme une patate régulière qu'on va mettre dedans, des oignons, des petits piments. J'ai du bacon qui est en train de décongeler et puis on va ajouter là-dessus des œufs et du fromage, fait que ça va être vraiment, vraiment très bon. Je le fais simplement dans une grosse poêle en fonte, même qui va au four. Sérieux, là, c'est vraiment bon. Si jamais vous avez jamais mangé ça, là, je vous conseille fortement de mettre à peu près n'importe quel légume. Techniquement, je pensais qu'on avait genre des saucisses parce qu'on a acheté des saucisses de tofu pour se faire des hot dogs. Puis ça, je me disais que ça serait vraiment bon là-dedans, mais Anto m'a dit qu'ils avaient terminé hier. Fait que c'est pas grave. On a également du jambon, fait que je pourrais quasiment rajouter ça, des petites graines de jambon. Ça va être vraiment bon. Fait qu'on est samedi matin, là, il est rendu midi. Il est plus trop le matin. Ce matin, on s'est dit qu'on allait se... Je vous parle en même temps. J'espère que c'est correct. Je vous parle en même temps de préparer mon déjeuner. On va rendre ça efficace. Ouais, c'est ça. Fait que ce matin, on s'est dit qu'on se mettait pas de cadran et qu'on allait vraiment juste en profiter pour se reposer, relaxer. On a eu une semaine de débile. Fait que... ça fait du bien de se laisser dormir un petit peu des fois. Fait que je me suis levée, c'était 9h en tout à peu près 9h30, là, probablement plus tard que moi. Et puis, j'ai juste terminé de faire de la comptabilité, fait que ça, c'est vraiment le fun. J'avais hâte de finir, fait que je voulais commencer avec ça ce matin pour que j'aille pas à me casser la tête avec ça le reste de la journée. Là, Anto, lui, il est parti. Il fallait qu'il ait porté du linge à un gars qu'il connaît pour qu'il fasse des photos pour son brand avec des modèles pis tout, là, pis le gars il fait vraiment des belles photos, fait que ouais, fait que ça va être vraiment cool, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et puis en même temps, il allait chercher de la nourriture pour Taz, fait qu'on a terminé son bol, puis il y a un des amis Anto qui travaille chez Mondou, qui est là où on prend la nourriture du chat, fait que à chaque fois, il nous donne des fichus de gros sacs de nourriture, fait que je pourrais vous montrer la nourriture qu'il utilise si jamais vous avez aussi un bébé chat qui est un petit peu difficile là, sur la nourriture de chat, mais qui aime beaucoup la nourriture d'humain. Fait que je voulais vous faire un petit update travail. J'ai commencé mes journées de formation cette semaine. Fait que là, on est samedi. J'ai mes formations mercredi soir, samedi soir et... mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. Puis pour de vrai, c'est vraiment, vraiment nice. Si jamais vous n'avez pas vu mes derniers vlogs, je suis nouvellement encore serveuse, mais dans un autre restaurant. Fait que là où une de mes amies travaille, fait que c'est vraiment nice. L'équipe est tellement cool là, vraiment hot. Puis les clients aussi sont super le fun, fait que je vais faire un petit peu d'études pour ça en fin de semaine parce que c'est un petit menu un petit peu plus fancy que ce à quoi je suis habituée. Fait que tu sais, il y a beaucoup de viande, puis beaucoup de bons pains, des choses comme ça. Puis je m'y connais pas tant que ça, fait que je veux vraiment essayer de m'éduquer avant mon prochain shift, qui est lundi d'ailleurs, qui va être mon premier shift tout seul, où est-ce que je suis pas quelqu'un puis que tu sais, je punch pas mes trucs sur le numéro à quelqu'un. Fait que ouais, je suis un petit peu stressée, mais ça se passe super bien, tout le monde est mindful quand j'ai des questions, puis ouais, c'est vraiment le fun, je suis contente. Je pourrais vous mettre en barre info la recette que je suis ish, là, juste pour savoir me souvenir des étapes. Je me souvenais pas d'ailleurs qu'il fallait le mettre sur le four pour faire ça, mais ouais, c'est ça. Fait qu'on le fait chauffer dans une poêle au début avec un petit peu de
techniquement, j'aurais été censée, en fait, faire les oignons et puis je sais plus quoi en premier. Puis après ça, ajouter genre les patates, les légumes et tout. Mais c'est pas grave. Fait qu'on fait ça avec un petit peu d'huile d'olive dans la poêle qui va aller au four. Fait que bien important de pas le faire dans une poêle normale. Ben, vous pourriez, mais ça va juste faire plus de choses à faire. Plus de vaisselle à laver. Fait que ça ici, j'attends que le bacon finisse de décongeler et puis je vais couper un petit peu de jambon que je vais, je pense, simplement mettre quand on va mettre au four parce que j'ai pas envie qu'il soit vraiment chauffé comme intense. Fait que je vais juste le mettre quand on va le mettre dans le four. Au fourneau! Oups, petit bout de fromage. Regardez comment ça a l'air bon! La seule chose, puis je vais vous le dire pour pas que vous fassiez l'erreur, les patates, faut vraiment les couper petites parce que là, je pense pas qu'ils sont full prêtes, les nôtres. Mais on a trop faim, puis sinon les œufs vont trop cuire. Fait que c'est ça. Puis on a mis sur le dessus du fromage, puis deux œufs qui sont pas cassés complètement. Fait que quand on va couper, le jaune va couler, ça va être vraiment bon. Je sais que pour vous, ça a l'air comme on fait à chaque soir ou à chaque, même si midi ou whatever, là. Mais on va regarder des petites émissions, tranquille. Comme je dis, on a vraiment une semaine de fou. Puis vu que moi, je travaille les soirs, on n'a pas pris comme un soir pour s'asseoir, relaxer, puis écouter nos petites émissions. Puis Dieu sait comment on aime ça. Fait que c'est ce qu'on va faire, plan pour les prochains temps. Pas dans tes patates, quoi? Ah! Bon. Moi, je savais qu'il avait fallu les faire cuire avant. J'étais pas là. Même t'avais si juste à être là, bon parce que moi, je suis restée garder notre enfant. Allô, baby. Coucou. Bon, fait qu'on va s'activer. Il est rendu genre 3 heures, puis ben, je travaille un peu en même temps, toi aussi, mais quand même. On s'en va ce soir, une partie de l'après-midi, je crois, tant qu'il pleuve au moins. On va aller à Montréal, au Franco. Fait que je sais pas si ça termine ce soir, mais je pense qu'on est comme vers la fin. Mais on va aller au Franco avec nos amis. Fait que ça va être super le fun. Là, je viens de me changer. Fait que je me suis plus confortable. Puis j'ai une couple de petites choses que j'avais commandées avec Ardenne, que je vais vous présenter juste ici. Je suis pas obligée, hein, by the way, de vous présenter ces affaires-là. Là. C'est juste que moi, j'aime savoir qu'est-ce que le monde achète quand j'écoute des vlogs. Fait que je le garde toujours pour vous le montrer, mais c'est ça. Juste petit disclaimer. Mais ouais, fait que premièrement, j'ai fait des petits achats au garage parce que j'ai trouvé finalement mes shirts que je parlais dans le dernier vlog qu'il fallait absolument que je trouve pour le travail. Fait que j'étais allée chercher ça, puis en même temps, il y avait des bodysuits en rabais qui étaient genre achetés en un, l'autre était à moitié prix ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai pris celui-ci que j'aime vraiment beaucoup avec comme les petites bretelles toutes minces comme ça. J'aime vraiment ça. Ouais, je le trouve vraiment beau, juste blanc. Puis l'autre que j'ai pris, c'est ce bodysuit-là, plus avec une coupe genre en V. Mais je le trouvais vraiment beau, puis j'aime vraiment porter des bodysuits, mais j'en avais pas de blanc parce que je trouve toujours que c'est trop transparent. Mes garages ont vraiment de la bonne qualité pour ça. Fait que quand j'ai vu qu'il y en avait puis qu'il était en rabais, je me disais que ça valait vraiment la peine. Je vais ranger tout ça après. Ça, c'est d'autres petites gogounes que je me suis achetées parce que les miennes étaient vraiment pas bonnes. Je les ai données, je les aimais vraiment pas. Fait que j'en ai juste racheté comme ça, super simple. Et puis le reste est tout ici. Fait que je pense que je vais mettre ça sur le lit puis vous présenter ça. Ça va être plus efficace. J'ai été vraiment dans un trip de souliers et d'accessoires, fait que puis de linge noir. Fait qu'on va commencer ici. J'ai trouvé premièrement un chandail comme ça aux Ardennes que j'aime tellement, qui est juste off the shoulder, ben qui manque une manche là, à manche longue. Je trouve ça tellement beau. Fait que j'en ai un qui est comme camisole, puis quand j'ai vu qu'il y avait ça là à manche longue sur le site d'Ardennes, j'ai comme oui, c'est sûr que je le prends. J'ai pris également des leggings comme ça noirs crop top. Ben genre, ouais, que ce soit coupe crop. Fait que j'aime ça pour m'entraîner. C'est pas, tu sais, des shirts, je trouve, des fois, c'est un petit peu... Ouais, ce capri. Des shirts, je trouve, c'est un petit peu comme révélateur. Des fois, le genre au gym, puis des leggings longs en été. Des fois, c'est un petit peu trop chaud. Fait que ça, c'est un bon entre-deux. Fait que j'en ai pris deux paires, vu que l'autre revenait comme à 4$, 4 ou 5$. J'ai pris juste un t-shirt basic noir comme ça, parce que je mets ça pour travailler. Fait que je me suis assurée d'en avoir deux, je pense, au total. Ça va être super. J'ai pris également
des petites culottes, c'est pour dormir, c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont être grandes un peu, mais je me dis, regarde, au pire, là. C'est pour ça que je n'ai juste pris une paire, parce que je voulais voir avant d'en commander d'autres, mais c'est la taille la plus petite qu'ils ont. Fait que whatever. Je savais même pas qu'il y avait ce genre de choses-là, qui est comme des savons à main en mousse. Fait que il y a celui-ci qui est à la vanille, que je me disais que c'était sûr ça allait être trop bon. Fait que j'ai pris celui-ci, puis j'en ai pris un autre agrumes frais. Puis j'aimais vraiment comme les petites bouteilles, je trouve vraiment cute. Fait que je trouve ça fait un beau display aussi. Je savais pas non plus qu'il y avait genre des masques, des choses comme ça, fait que je me dis que j'allais essayer ça. Masque de nuit à la noix de coco, fait que je l'ai juste ouvert, même s'il y a le lid, et ça sent extrêmement beaucoup. Fait que je sais pas si ça va me tomber sur le cœur ou quoi, mais je pourrais le tester puis vous tenir au courant de ça. J'ai pris après ça des souliers, j'arrête pas de vous parler du mariage de ma cousine, mais je me disais que ça pouvait être pas pire si je mets mon jumpsuit noir. Ça pouvait comme ajouter une petite teinte de couleur, whatever. Puis j'aime vraiment quand les souliers ont des gros talons comme ça. Je trouve vraiment que c'est supportant. Puis je les trouvais vraiment beaux. Fait que ça, c'est le genre de choses qui se démodent pas. Là, tu peux garder comme toute une vie. Puis on s'entend que je grandis plus de grandeur de pied. Fait que c'est indémodable. J'ai pris aussi des sneakers noirs comme ça. Parce que les miens, mes sneakers noirs que j'ai, je les prends maintenant pour le travail. Fait que j'en voulais au moins une paire que, tu sais, ils restaient propres. Puis que c'était ceux que j'aimais. Que je mettais moi ici, puis j'ai trouvé vraiment nice. Je trouve que il y a genre un style, je trouve un peu comme basket, mais genre pas tant plus sport. En tout cas, j'ai trouvé vraiment beau. J'ai pris d'autres petits souliers à plateforme comme ça parce que j'en ai des exactement pareils, mais comme en beige. Et puis j'adore ça pour mettre avec des robes, fait que je me disais que noir c'était indétrônable. Des petites sandales. Tu peux rentrer. Étends. Des petites sandales rouges comme ça, juste parce que j'aime vraiment ce genre de affaires-là que tu mets comme juste, puis tu peux y aller après, là. Fait que c'est vraiment pratique. J'ai pris un sac banane. Moi, je trouve ça tellement laid, mais je trouve ça vraiment pratique. Puis il était 6$, puis c'est vraiment pratique pour genre justement les festivals ou quoi de même. Puis c'est Festival d'été de Québec la semaine prochaine, fait que... J'ai pris des bottes noires, vraiment très intéressant, fait que pour le travail. Et j'ai pris, côté électronique, un haut-parleur sans fil. T'as-tu hâte qu'on essaye ça? Ouais, hein? Ça va être vraiment hot. Fait que ça dit qu'il y a une bass améliorée, un synchroniseur FM, qui a 3 heures de conversation et musique, appels et mains libres. En tout cas, fait que ça va être vraiment nice. Je savais pas qu'il y avait ce genre de choses-là sur Ardennes. Fait que... je suis vraiment contente de tout ça. Litty Coco. Ah oui, puis la dernière chose, justement, c'est ces shorts-là que j'aime tellement. Je les trouve trop belles. Puis j'aime plus tant les shorts genre vraiment serrés en bas et tout. Fait que j'aime le fait que celle-ci soit genre plus lousse. Puis que c'est ça, je trouve que ça donne un autre style. Fait que je suis bien contente. Je pourrais vous mettre le lien de tout ça en barre info. Et puis ça va pouvoir arrêter de traîner sur mon petit meuble, je vais enfin pouvoir le ranger. Mais j'ai hâte d'essayer le Bluetooth. Fait que là, je vais aller me préparer un petit peu. Je me maquiller un petit peu. Puis je sais pas si je fais quelque chose avec mes cheveux. Parce que sérieux, c'est tellement humide dehors que... oh! Yipipi! Bon, fait que mon petit outfit va ressembler à ça. J'ai vraiment juste gardé ce que j'avais tantôt. Vraiment confo. Puis j'ai mis des petits espadrilles vu qu'on risque d'être debout. Fait que, oh, il manque mon collier. Mais j'ai mes boucles d'oreilles ici qui viennent du Ardennes. Je reçois tout le temps des questions sur mes bijoux. Mais ouais, ça, je vous le dis tout le temps. Fait que je me sens gossante, mais j'en reçois quand même toujours des questions. Fait que mes boucles d'oreilles viennent d'Ardennes. Presque toutes mes bagues aussi. Ma montre, c'est une montre qui compte les pas et tout. Vous pouvez voir, mon self-tan fait tellement dur là. Mais ouais, ça c'est une montre qui compte les pas, les calories et tout le kit. Fait que c'est vraiment pratique. Et puis, c'est ça, mon collier que j'ai d'habitude, je vais aller le mettre tout de suite. Mais je vais mettre ça avec mon petit sac à dos comme ça du Ardennes aussi. Fait que j'ai tout transféré là-dedans parce que je trouve ça être plus pratique. Et mon collier comme ceci, qui est comme une barre droite là, je l'ai pris sur Tokara, qui en avait une démonstration avec mes amis il y a quelques années. Sérieux, c'est tellement de la bonne qualité, je le porte à tous les jours, puis il est pas terne pantoute, il est vraiment, tu sais, il est même pas graffiné un peu, puis non, c'est fou, fait que, ouais, un beau petit investissement. Il était pas si cher que ça en plus, il me semble peut-être 50$, mais c'est pour une pièce que tu gardes genre vraiment longtemps, ça vaut vraiment la peine. Et le ciel se couvre tellement, c'est sûr et certain qu'il va en tomber une maudite.
sais pas si vous voyez à quel point. Oh my god, ça a l'air pire à la caméra, mais genre on dirait que ça s'en vient à toute allure. Tiens, non. Not down. J'aime toi, là, pour un chien, ils sont trop. Oui, dis, belle, toi. Oh, c'est tout mouillé. Ouais. Hop, voilà. Voilà. Quoi? C'était jusque là-bas. Do you want to dance? J'ai pas terminé le vlog hier, hey, on était tellement fatigués, on est revenu, il était genre minuit et quelques. Ça nous arrive pas. Mais c'était vraiment le fun, c'était vraiment vraiment une belle soirée, on a vraiment passé un beau moment et puis arrêté de pleuvoir en plein milieu de la soirée, fait que ça c'était vraiment cool aussi. Puis comme vous avez vu, t'sais, on est allé genre à un boat Oceaga, il fallait que tu rentres genre 3 balles sur 4 dans des pots. Moi, je n'ai pas eu, là, en passant. Mais en tout, oui. Puis il était comme, je m'en fous de gagner, je veux pas gagner. Puis j'étais comme, non, gagne, moi, je veux un petit chandail. Fait qu'il donne un chandail. Fait que j'ai un chandail orange de Oceaga. J'ai pas essayé, mais j'aime full la couleur. Fait que j'étais comme, au pire, je vais le prendre en chandail de pyjama. Mais ouais, c'était une belle fun d'activité. On a croisé aussi des amis en tour qui n'avaient pas vu depuis des années. Fait que c'était vraiment nice. Puis c'est ça, en revenant, on était claqués, mort ben raide. Fait qu'on s'est couché en arrivant, mais ouais, c'était vraiment une belle soirée, c'était super fun. Fait que je pense que là-dessus, moi, je vais terminer le vlog parce que je pense que je vais en commencer un autre aujourd'hui. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un pouce si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!